Le 24 janvier 1984, Steve Jobs dévoile un étonnant petit ordinateur personnel doté pour la première fois d'une interface graphique. Son nom, le Macintosh. 40 années se sont écoulées depuis et pour célébrer cet anniversaire, émission spéciale d'ORLM avec un invité exceptionnel, Bertrand Serlet, le papa de macOS 10. Un personnage clé de l'histoire d'Apple qui nous révèle le rocambolesque rachat de Next, du rôle qu'il a joué aux côtés d'un autre Français, Jean-Marie Hulot, dans la folle épopée de Next et de macOS 10, puis de l'iPhone et comment Steve Jobs a repris le pouvoir au sein d'Apple. Une interview rare, emplie de révélations exclusives, jamais lues ou entendues, du moins jusqu'à aujourd'hui.